Bonjour à toutes et à tous, c'est Moedra. On se retrouve pour l'épisode 4 de Gran Turismo 3. Alors là, je vais faire la première course permis B, donc j'ai réfléchi à laquelle je voulais faire. Et je me suis dit, c'est intéressant de faire celle-là, parce que la voiture c'est une turbo pour voir comment je peux m'en sortir. En plus là, on voit qu'on peut gagner pas mal, beaucoup plus que sur les courses précédentes. Bah oui, c'est logique, puisque les courses qui demandent des prérequis, sont forcément peut-être plus difficile, mais en tout cas, elle rapporte plus d'argent, ça c'est une certitude. Donc là, 5000, hein, on va voir laquelle. Moi, je vais faire test course, hein, ça c'est course, j'aime bien ces courses, tu réfléchis pas, tu fonces. Et c'est les courses où vraiment tu vois la puissance, quoi. Parce que en ligne droite, tu peux. C'est vrai que les virages, tu peux trouver, même si t'es moins rapide, une astuce pour aller. Si t'es bon, mais là, tu peux pas trouver d'astuce, hein, c'est la puissance qui joue. On va voir ce que ça donne, hein. Pour savoir si je suis complètement déclassé ou si j'ai une chance de m'en sortir à peu près. Donc là, on a toujours l'idée de se mettre derrière pour bénéficier de l'aspiration, hein. Donc là, bon, j'ai pas l'impression que je suis trop mal là. Je pense que je peux m'en sortir à peu près. Peut-être pas être premier, mais bon, ce serait bien d'être premier, mais là. On voit que la verte, elle est en tête là. Je crois qu'elle peut pas aller à plus que 220, putain. C'est là où. Là, peut-être tu te rends compte que là, c'est un peu la merde, quoi. Donc voilà, la voiture, celle-là, elle a clairement ses limites. On voit qu'elle a ses limites, hein. Et que quelque chose va devoir être fait pour régler ça. Parce qu'on peut, je peux pas faire mieux là. C'est vraiment, elle est. Peut-être que j'aurais dû choisir l'autre en fait et pas celle-là, quoi. Donc ouais, des fois là, j'ai investi du fric envers une voiture qui sert à rien, quoi. Voilà, je peux pas faire mieux, donc je vais. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre pause. Je vais essayer de faire. Je pense que je vais essayer d'avoir une autre voiture. Donc là, moi, je vais arrêter là. Mais l'épisode y reprendra après quand j'aurai bien eu du pognon pour prendre une nouvelle voiture et faire des tests. Donc pour vous, ça va, la pause va être succincte, mais moi ça va peut-être prendre plusieurs heures. Allez, à toutes. Alors me revoilà, hein. Donc j'avais fait des courses, en fait j'ai fait une course permis B, je ne savais pas que c'était ça, donc j'ai gagné une nouvelle voiture. Donc voilà la Mazda RX-7. Donc je vais l'essayer. Comme ça, peut-être qu'elle est plus puissante, donc peut-être que je pourrais faire la course que je voulais faire initialement. Hein. Meurs pour voir si elle va à plus de 220. J'espère quand même. Donc là vraiment j'aime bien ce genre de course, c'est vraiment une ligne droite, ouais, c'est vrai que c'est vraiment tu fais rugir la voiture, quoi, vraiment la puissance, quoi.
Donc là, on a plus de 220. Donc voilà, donc je pense, bon, avec ce genre de course, tu sais que tu as gagné quasiment, hein, par si tu fatigues. Donc là, je vous fais un tour, et le deuxième tour, je l'accélérerai, hein, sachant, vu que c'est le, il n'y a pas vraiment de suspense. Meilleur, c'est les courses, meilleur, c'est les courses, j'aime bien faire quand tu testes une voiture en fait, vraiment pour voir la puissance de la voiture. Donc après, il y en a d'autres plus tard, d'autres niveaux, enfin d'autres niveaux avec d'autres voitures plus puissantes, mais avec un autre permis qu'il faut, donc il y aura forcément plus d'argent. Donc après, ça peut être un moyen assez, assez rapide de gagner de l'argent dans le jeu. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir les permis dans ça, quoi. Fin de la course, hein, bon, à un moment donné j'ai cru qu'ils allaient me rattraper quand même, mais bon, je me suis dit quand même que j'allais gagner. Donc là on voit qu'on commence à avoir plus d'argent. Hein. Donc là, à mon avis, peut-être il y aura une bonne voiture si je réussis tout. Donc je vais voir. Avec celle-là, peut-être que si je rate, je prendrai l'autre. Hein, parce que c'est vrai que je l'ai mis peut-être pour qu'elle soit plus rapide. Enfin, qu'elle soit, ouais, qu'elle soit plus. Qu'elle ait une accélération plus rapide. Pas forcément une vitesse de pointe plus élevée. Voilà, avec celle-là. Hein. Bon, le circuit, là, on voit que c'est des circuits quand même turbo. Il y a beaucoup de lignes droites. Ouais, putain, comme d'hab. Ça va aller, je pense.
Donc là, ouais, j'ai fait les courses de qualification pour me positionner. Pour moi, avoir un peu une chance de gagner, quoi. Donc ouais, on voit que quand même, parce qu'en fait, le problème de ce circuit, c'est, ouais, il y a des lignes droites, mais il y a beaucoup de virages. Et c'est surtout que, par exemple, il faut bien les prendre, parce que sinon, on se retrouve dans l'herbe assez facilement, quoi. Donc là, peut-être que je peux la voir là. Sur la ligne droite, j'ai l'air d'être plus rapide qu'elle. Bon, je pense que là, il faut que je reste premier là. Faut pas que je me retombe dans l'herbe. Ouais. Mais ça va, je pense que là ça va. Ça va. Parce que déjà tout à l'heure j'étais plus proche, j'étais plus loin et. Donc là ça va, je pense que à la ligne droite, si je me chie pas, je la bats. Si je me chie pas, c'est pas forcément garanti. Là. Là, je peux l'avoir. Voilà, ça va aller. Non, je suis plus rapide qu'elle, donc ça va. Heureusement que j'ai fait le tour de qualif, hein, parce que sinon ça allait, c'était pas évident de réussir. Et la dernière. Donc je vais voir. Hein. Donc là, je vais essayer de la faire comme ça. Et si je rate, de toute façon, vous verrez que je vous verrez pas. Parce que quand je remettrai, c'est que j'aurais été au calife. Donc voilà. Donc voilà, ainsi, là, vous entendez ce que je dis, c'est que je l'ai gagné du premier coup normalement. Et si vous n'entendez pas ce que je dis là, ben, c'est que eh bien, je serai mis en qualif donc pour avoir une position plus avantageuse. Et donc ben, je commencerai la course de manière plus aisée. Donc là, c'est vrai que ça c'est un circuit assez écœurant. Deux tours. Et ce circuit, c'est vrai qu'il est assez chiant. Alors, hein, pour cet épisode 4, toujours, hein, le problème c'est que ben, oui, j'ai dû un peu m'améliorer, donc j'ai fait un peu de farm et je me suis acheté, j'ai pris une nouvelle voiture. Voilà, hein, donc on voit beaucoup plus puissante, hein, 306 chevaux.
Je l'ai un peu fait tourner, mais avec celle-là, on voit qu'il y a du potentiel. Donc là, l'idée, c'est que je vais terminer la course que je devais faire, parce que c'était quand même l'objectif de la vidéo à la base. Bon, je pense que là, j'aurais pas forcément besoin de la qualif, parce que l'idée en fait sur ça, si vous voulez, c'est que c'est toujours l'idée. C'est en fait les qualifs, c'est bien pour se positionner. Après, là, je vais voir si je peux réussir, parce que c'est vrai que cette course, elle est quand même assez difficile. Donc voilà à quoi ressemble la caisse. Un peu lourde, un peu lourde. Hein. Non, mais je ferai un tour après. Comme j'ai dit souvent, le deuxième, j'essaye de les mettre en accéléré parce que c'est pas forcément le plus intéressant à voir. L'intéressant, c'est de voir aussi toute la progression de l'histoire, je pense, à mes yeux. Hein. Après les courses, quand on a fait un tour ou quoi, ou alors les moments un peu décisifs, quoi, bien sûr. Alors là, je vais passer les qualifs parce que je galérais à faire la course. J'ai réussi à me positionner premier, donc théoriquement, je devrais gagner. Mais bon, je dis théoriquement. Hein. Moi aussi, il y en a, ils m'ont rentré dedans, donc j'estime c'est voilà, elles aussi elles peuvent me rentrer dedans, donc bon, c'est pas forcément la meilleure chose à faire, mais bon, je l'accepte. Après, c'est vrai que des fois, j'ai l'impression que je freine un peu trop tôt. Voilà, normalement j'ai gagné. À moins que je sois vraiment con. Là, si je perds, c'est une honte absolue. Bon, ben j'ai gagné, hein. Ça a été un peu chaud parce que voilà, j'ai dû faire attention parce que j'ai perdu plein de courses avant en faisant le. Là, je sais pas combien j'ai fait 2 minutes 21, il y a des fois je faisais 2 minutes 30. Donc là, j'ai quand même bien joué. Donc là, comme c'est fini, je vais voir la voiture que je gagne enfin parce que bon, pour vous, ça a été court, hein. Enfin, ça a été court peut-être 20 minutes, mais voilà, ça fait quelques jours que je joue un peu dessus quoi. Cette voiture, elle a l'air merdique en tout cas.
Je vais voir. Là, je vais sauvegarder. Oui, elle est merdique, je confirme, hein. On va la vendre. Je vais re-sauvegarder du coup. Donc voilà, je pense que je vais terminer la vidéo ici. Donc je vais essayer de voir ce que je vais peut-être faire plus tard. Alors là, j'ai fait. Il y a des ligues là. Ligue amateur, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y en a avec le permis B? Là, on voit déjà qu'il y a... ah, il y en a une seule. Et c'est pour, je pense, les voitures évolution. Donc est-ce que ça. Voilà, c'est que les évolutions. Donc la seule que je peux faire là. La seule qui a le permis. Bah non, je crois qu'il y en a une autre aussi. Ouais, deux. Type R, ouais, donc c'est que des types. Donc voilà. Donc, débutant, peut-être que j'en ferai en off. Parce que l'intérêt, c'est pas que je vous les montre toutes. Hein. Il y en a, je les ferai hors caméra. Et puis voilà. Comme ça, ça me fera gagner de l'argent. Hein. Et vous, c'est pas forcément la peine que vous les voyez. Je pourrais pas toutes les faire parce qu'il y en a qui ont pour les faire avec des voitures spéciales ou quoi. Mais bon, je pense que du coup, ce que je vais faire la prochaine fois, c'est que je vais passer le permis. Je vais continuer les épreuves du permis pour avoir des nouvelles acquisitions et pour pouvoir faire plus de courses au final qui permettront forcément de gagner plus d'argent. Donc, c'est la fin de la vidéo. Hein. Pour vous, elle aura duré, je pense, à peu près. Je dirais peut-être entre 25 et 35 minutes à la louche avant que je fasse le montage. Donc du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, fin de la vidéo. Si vous avez aimé ou pas aimé, comme je dis d'habitude, hein, likez, disliker, commenter. Comme je dis, moi je fais des jeux que j'aime bien. Bon, c'est sûr que Gran Turismo 3, c'est pas le jeu le plus récent qui soit, hein, il est sorti en 2001. Mais je trouve qu'il est intéressant et puis ça me fait plaisir d'y jouer, c'est ça l'intérêt. Donc c'était Moedra, je vous dis salut et à plus pour la prochaine vidéo. Thank you.